Avant d'installer votre caméra en forêt, vous devez vous assurer que vous avez tout l'équipement nécessaire. Et bien sûr, la première des choses dont vous avez besoin est le piège caméra. Le piège caméra se trouve dans un boîtier de sécurité en acier. Le boîtier de sécurité est attaché à l'arbre par une sangle. Une fois que la caméra est entrée dans le boîtier de sécurité, l'ensemble est sécurisé par ce câble de verrouillage. Que ressemble à un cadenas de vélo. Il possède une clé unique qui s'insère à l'intérieur et sert de mécanisme de verrouillage. Vous avez également besoin d'un bâton de 55 cm avec un ruban de couleur vive attaché à une extrémité et de 3 mètres rubans qui s'étendent sur au moins 20 mètres. Vous avez besoin d'un ensemble de rubans de couleur vive ou de cordes qui sont fixées aux 3 mètres rubans. Vous devez avoir un sécateur pour couper les objets utiles. Vous avez besoin d'une fiche technique avec un presse-papier pour enregistrer toutes les données. Vous devez avoir un ensemble de cartes laminées imperméables sur lesquelles sont inscrits des numéros qui seront utilisés pour créer la vidéo de référence. Et vous devez également avoir une fiche plastifiée sur laquelle vous pouvez noter avec un marqueur effaçable le numéro de référence de la caméra, le point GPS, la date et le lieu de chaque caméra. Vous tiendrez cette fiche devant la caméra pendant qu'elle enregistre. Il s'agit d'un piège caméra de marque Browning. Modèle camouflage, il possède deux objectifs photographiques, un pour la nuit, un pour le jour. Le détecteur de mouvement se trouve en haut. Il y a aussi deux flashs infrarouges de chaque côté qui sont invisibles pour des animaux afin de ne pas provoquer chez eux une réaction de choc lorsqu'ils sont photographiés. Vous pouvez ouvrir la caméra par le côté. En tirant cette pièce doucement pour ne pas la briser. Vous pouvez ouvrir une petite porte qui révèle un écran et les différents boutons qui permettent de faire fonctionner la caméra et de modifier les réglages. La caméra fonctionne avec 6 piles qui se trouvent dans ce petit compartiment ici. Vous appuyez sur le bouton, clique, les voilà. Vous devez toujours utiliser des piles au lithium. Les piles alcalines sont connues pour être défaillantes. Si les batteries se déchargent, la caméra s'arrêtera et vous risquez de perdre beaucoup de photos importantes. Repoussez-le à nouveau. Clique. Toutes les photos sont stockées sur une carte SD qui est ici. Vous pouvez avoir toutes sortes de tailles différentes. Lorsque vous changez votre carte SD, assurez-vous que la caméra est éteinte. Quand vous allez faire la configuration de la caméra, vous allumez. Et cela vous donne 10 secondes d'une petite vidéo comme ceci. C'est ce que la caméra peut voir à travers l'objectif. Donc si vous agitez votre main devant elle, vous pouvez voir qu'elle prend des photos de ce qu'elle peut voir. Pour relancer cette petite vidéo, vous appuyez sur OK et elle repart. 8, 7, 6, 5, 4, puis passe à un écran noir. Pour la relancer, appuyez simplement à nouveau sur OK. Assurez-vous que les piles sont pleines à 100% avant de laisser la caméra pendant un mois en forêt. Assurez-vous également qu'elle est réglée sur vidéo. Pour faire tous les réglages, appuyez sur M pour menu. Et cela vous donne accès aux différents réglages. Durée de la vidéo, type de photo.
Vous vous déplacez juste de haut en bas, comme cela. Et quand vous êtes satisfait de ces réglages, vous appuyez à nouveau sur « Menu ». Ce qui ramène à ce compte à rebours. Il suffit ensuite de fermer la porte, de la clipser et de fixer la caméra sur l'arbre pour qu'elle soit prête. Pour savoir si la caméra prend des photos, il faut aller dans cette fenêtre de paramétrage ou menu. Ou descendre jusqu'à ce que le message « Motion Test » apparaisse. Puis appuyez sur « OK ». Ensuite, si quelque chose bouge devant la caméra, elle clignotera. Vous savez donc qu'elle détecte quelque chose qui bouge devant elle. Pour quitter cette fonction, il suffit d'appuyer à nouveau sur « OK ». Voici donc le support de la caméra. C'est la moitié inférieure du boîtier de sécurité en acier. Il sera placé contre l'arbre comme cela, à la bonne hauteur, et ensuite la caméra s'y installera comme cela, dans la bonne direction. La première chose que nous faisons est de fixer le support à l'arbre. Il est soutenu par une sangle qui passe à l'arrière et ressort à nouveau. Assurez-vous que ce dispositif à ressort a le bouton passoire à l'extérieur et que tout est aligné avec le tronc de l'arbre à plat. Vous amenez le tout assez loin, de sorte que le mécanisme à ressort soit bien en place à l'arrière de l'arbre. Vous savez que vous voulez que la caméra soit à environ 50 cm du sol de la forêt. Cet équipement d'apparence simple est en fait très important. C'est un morceau de bois bien droit, avec un ruban de couleur vive au bout, que l'on peut voir de loin. On le coupe de manière à ce que lorsqu'il est dans le sol, il mesure 55 cm de long. Vous laissez donc une partie supplémentaire au bout parce que vous voulez qu'il puisse être enfoncé dans le sol. Vous avez donc votre bâton de 55 cm et vous pouvez voir que c'est un peu haut, parce que l'objectif de l'appareil photo doit être à peu près là. Vous abaissez donc un peu le tout. Et c'est là que les deux techniciens peuvent travailler ensemble pour s'assurer que le support est à la bonne hauteur, puis resserrer la sangle. Lorsque vous installez un piège caméra dans la forêt, vous allez éviter que le soleil ne brille directement dans l'objectif. Donc, pour minimiser cela, vous l'orientez dans la direction où il va recevoir le moins de lumière directe du soleil. Donc, quel que soit l'hémisphère dans lequel vous vous trouvez, vous n'orientez pas l'objectif vers l'est ni vers l'ouest. Sinon, il recevra le soleil levant et le soleil couchant. Si vous êtes dans l'hémisphère nord, la plupart de la lumière du soleil vient du sud. Donc, vous l'orientez vers le nord. Et c'est ce que nous faisons ici. Nous sommes en Écosse. Et ceci est le nord. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Vous vérifiez votre direction à l'aide d'une boussole. Ceci est une boussole de précision. Vous pouvez voir que le nord est par là. Si vous voulez un relevé exact avec une boussole de précision, vous devez regarder à travers la petite fenêtre. Mais vous n'avez pas à le faire tout de suite avec cette configuration. Vous fixez la caméra sur l'arbre orienté plus ou moins vers le nord pour que son champ de vision ne soit pas bloqué par un gros objet. Vous avez la possibilité de l'orienter à 20 ou 30 degrés de chaque côté du nord pour obtenir la meilleure visibilité possible. Lorsque la caméra est complètement fixée sur l'arbre, c'est à ce moment que vous prenez la direction exacte avec la boussole.
Une fois que le support de la caméra se trouve sur l'arbre et que nous savons plus ou moins dans quelle direction il va être orienté, nous voulons nous assurer qu'il est aligné de manière à ne pas voir seulement le sol ou à ne pas voir seulement la voûte des arbres. Pour cela, nous avons un mètre ruban que nous mettons devant la caméra et nous avons un bâton bien pratique que nous avons déjà utilisé et que nous mettons dans le sol. Lorsque la caméra est sur le support et que nous ouvrons la petite porte pour que l'écran vidéo puisse voir ce qui se passe. Ce ruban très visible doit se trouver en plein milieu de l'écran de la caméra. Une fois que vous avez placé le support plus ou moins dans la bonne direction, face au nord, vous prenez alors la caméra et vous la posez sur le support en gardant la porte ouverte. Ensuite, vous déroulez le premier mètre ruban central de l'arbre jusqu'à 15 mètres. Ensuite, vous allumez la caméra. Vous vous assurez que vous pouvez voir le mètre ruban au milieu du petit écran pour savoir si la caméra est orientée trop à droite ou à gauche. Si vous ne voyez pas le ruban, vous pouvez déplacer légèrement le support avec l'aide de votre assistant pour relâcher un peu la sangle. Puis, vous la resserrez, de sorte que l'orientation gauche-droite soit correcte. Lorsque cela est réglé, vous pouvez alors utiliser votre bâton avec le ruban à l'extrémité, à un mètre de la caméra, pour vous assurer que la caméra est orientée dans cette direction, afin qu'elle ne regarde pas trop loin vers le bas et pas trop loin vers le haut. En d'autres termes, que ce ruban soit au centre à la fois horizontalement et verticalement pour la caméra. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez fermer la petite porte. La caméra repose bien sur son support et le reste du boîtier métallique se place sur le dessus. Ils s'emboîtent comme ceci. Et vous pouvez alors utiliser le câble de verrouillage. Il va entrer par un côté et ressortir de l'autre pour empêcher quiconque de retirer la partie supérieure du boîtier. Vous allez le mettre autour de l'arbre, tirer bien fort, puis le verrouiller et emporter la clé avec vous pour quand vous reviendrez. Une fois que vous avez votre caméra sur le support et que le mètre ruban est placé devant la caméra, demandez à votre assistant de se tenir avec les deux pieds de part et d'autre du mètre ruban. Ensuite, regardez la petite vidéo sur la caméra elle-même et assurez-vous que la caméra est positionnée de manière à ce que l'image de cette personne se trouve au centre de la photo. Ce qui veut dire que le mètre ruban se trouve lui aussi au centre. Si la personne n'est pas correctement alignée, vous pouvez déplacer tout le support vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que son image soit au centre. À ce moment-là, vous savez que la caméra est orientée dans le bon sens. Il faut ensuite chercher l'image du petit ruban sur le bâton qui se trouve à un mètre de la caméra. Assurez-vous que le ruban se trouve au milieu de l'écran. Si ce n'est pas le cas, prenez un morceau de bois et mettez-le derrière le support de la caméra. Ici. Vous devrez peut-être desserrer la sangle jusqu'à ce que la caméra soit inclinée de manière à ce que le ruban soit au milieu de l'écran. C'est ainsi que le maximum d'animaux, petits et grands, passant devant la caméra,
auront le plus de chances de se faire photographier. Ainsi, avant de laisser la caméra prendre des photos d'animaux pendant un mois, vous laissez le maître ruban sur le sol et vous mesurez l'angle, l'orientation de ce maître ruban avec votre boussole. Donc, avec cette boussole, nous savons que c'est à peu près vers le nord. Ici, c'est en fait 2 degrés. Nous avons une fiche technique pour chaque caméra et nous notons que l'orientation de cette caméra particulière est de 2 degrés. Donc nous le saurons également lorsque nous reviendrons pour faire la vidéo de référence pour cette caméra. Nous savons aussi quelle est la largeur du champ de vision de chaque marque de caméra. Parfois elle est de 45 degrés, parfois de 42. Certaines marques vont même jusqu'à 75 degrés. Vous prenez ce champ de vision qui est écrit sur la notice du fabricant de la caméra et vous le divisez par 2. Ensuite, vous ajoutez ou soustrayez cette moitié à la direction de la caméra à ce point précis. Ainsi, par exemple, si le champ de vision de cette caméra est de 40 degrés, alors vos 2 mètres rubans qui seront de chaque côté seront à plus 20 et moins 20 de vos 2 degrés vers lesquels cette caméra est orientée. Une fois que la caméra est fermement fixée à l'arbre, tournez dans la bonne direction et que vous avez noté l'orientation de la caméra. Vous reprenez le premier mètre ruban et la caméra sera prête à prendre des photos pendant un mois ou plus par elle-même. Ensuite, vous reviendrez faire la vidéo de référence. C'est là qu'il faudra poser les 3 mètres rubans par terre et qu'elles contiennent une carte à différentes distances. Si quelqu'un déplace la caméra dans une autre orientation au cours de ce mois, vous devrez la mettre dans l'orientation d'origine avant de faire cette vidéo de référence. Parfois, un chimpanzé peut la manipuler ou un éléphant peut lui donner un coup de pied et la déplacer légèrement d'un côté ou de l'autre. Une façon pratique de savoir quelle était la direction initiale de la caméra est de prendre un stylo marqueur noir et d'écrire sur l'écorce de l'arbre au milieu de l'endroit où se trouve le support de la caméra, afin de le remettre à sa place pour pouvoir réaliser la vidéo de référence. Je verrouille le boîtier de sécurité. Nous avons un câble de verrouillage standard, comme pour un vélo. Vous l'enfilez d'un côté, puis le sortez par le même trou de l'autre côté. Vous le faites passer autour de l'arbre une ou deux fois. Ça ressemble un peu à une liane. S'il n'est pas assez long pour faire 2 tours, il suffit de faire un seul tour. Et ceci est important. Vous voyez qu'il y a une flèche ici. Vous mettez le câble dans cette direction, puis vous le verrouillez. Ça ressemble un peu à la tête d'une vipère et ceci est sa langue. Si vous le mettez de cette façon et que vous le verrouillez,
En fait, il n'est pas verrouillé. Il faut donc toujours introduire la langue du serpent par l'arrière de sa tête. En suivant la flèche, essayez. Puis, quand le câble est complètement serré, le verrouiller et retirer la clé. Ensuite, vous pouvez resserrer, mais vous ne pouvez pas tirer dans cette direction. Vous remarquez que j'ai attaché un morceau de ruban rose sur la clé. C'est parce que si vous la laissez tomber par accident sur le sol de la forêt, vous pouvez facilement la retrouver. Nous avons maintenant l'axe central, qui est à 2 degrés. Nous allons placer 2 mètres rubans selon le bon angle, de chaque côté. Nous savons que pour cette caméra-là, Browning, la moitié de champ de vision est de 27 degrés. Cette ligne centrale était à 2 degrés. 27 plus 2 égale 29 degrés. Nous aurons donc 1 mètre ruban à placer à 29 degrés en regardant la boussole. L'autre est à 2 degrés moins de 29 degrés. Donc la direction que je vais indiquer à notre assistant est de 335 degrés. Les trois extrémités des mètres rubans sont maintenues au bas de la caméra. La personne à côté de la caméra dirige la personne avec le mètre ruban en lui donnant une cible et en lui disant de s'en approcher. Lynn, tu vois le petit plan de frein devant toi, à gauche. Va à droite de celui-ci. Stop. Fais un grand pas sur ta droite. Un demi-pas. Un tout petit pas à droite. Étire un peu sur le mètre. Pendant que nous préparons cette vidéo de référence à chaque mouvement que nous faisons dans la matrice, il faut abîmer la végétation le moins possible dans cette toile d'araignée de ruban afin que la végétation soit aussi intacte que possible lorsque nous réalisons la vidéo de référence proprement dite. On peut marcher autant qu'on veut sur le côté droit de la bande droite ou le côté gauche de la bande gauche. Mais faites attention à ne pas piétiner la végétation à l'intérieur de la forme en V. Un, deux, trois, quatre, c'est bien de les disposer dans l'ordre pour vérifier que vous les avez tous. Et ensuite, vous allez les attacher tous à l'aide de pinces à dessin. Donc, si on prend le numéro 12, c'est le ruban 12. Il va être attaché sur les mètres rubans à la marque des mètres 12 pour les 3 mètres rubans qui sont là. C'est le ruban de 15 mètres que nous avons placé à la marque des 15 mètres qui se trouve ici. Sur le mètre ruban de droite, nous avons ces petites pinces à dessin bien pratiques. Nous les mettons ici. Et nous les accrochons simplement. Voilà. Voici le ruban numéro 12. Il va aller sur 12 mètres ici. Je vais l'accrocher avec la pince à dessin. Ensuite, on l'emmène au milieu
en essayant de ne pas déplacer les mètres rubans sur le sol. Nous allons trouver les 12 mètres ici. Nous l'enroulons autour une fois. Et nous l'emmenons jusqu'au point des 12 mètres ici. Et nous utilisons une autre pince à dessin pour le fixer. Or, nous faisons la même chose à 15 mètres, 12 mètres, 10 mètres et ensuite tous les mètres jusqu'à ce que nous arrivions devant la caméra. Nous sommes revenus auprès de l'arbre après un mois. La caméra est maintenant pleine d'images. La première chose à faire est de la déverrouiller. Donc enlever le cadenas. Nous avons notre clé que nous avons apportée avec nous et nous l'ouvrons. Nous tirons le câble. Souvenez-vous, le cadenas est comme une tête de serpent. Et l'extrémité de câble est comme sa langue. Rappelez-vous que lorsque nous avons fermé le cadenas, nous avons mis la câble en suivant le sens de la flèche ici, de sorte que la langue sorte de sa bouche. Puis nous l'avons tiré et nous avons sorti la clé. Si vous faites ainsi, après avoir verrouillé le cadenas, vous pouvez continuer à serrer, mais vous ne pouvez pas desserrer. Si vous essayez de fermer le cadenas dans cette direction, avec la langue qui sort de l'arrière de la tête, cela ne fonctionnera pas. Et n'importe quel braconnier pourrait voler votre caméra. Donc, toujours quand vous fermez le cadenas, c'est dans le sens de la flèche, comme la langue d'un serpent. Donc, vous retirez le câble et vous le rangez proprement avec le reste du matériel. Et maintenant, nous pouvons simplement enlever la partie extérieure du boîtier de sécurité. Et nous ferons alors une vidéo de référence avec cette caméra et l'agencement que nous avons préparé sur le sol. Nous sommes arrivés à la caméra. Nous avons enlevé le câble de sécurité. Nous avons installé notre matrice de ruban. Et maintenant, nous allons faire une vidéo de quelqu'un qui tient des cartes à chacune de ces distances de la caméra pendant que celle-ci les filme. Ainsi, vous pourrez comparer ceci et ce que nous appelons la vidéo de référence. Avec toutes les vidéos d'animaux qui marchent devant la caméra. Souvenez-vous, la caméra est au même endroit que celui où nous l'avons laissée. Et il y a déjà toute une série d'animaux à l'intérieur de la carte SD. Et maintenant, nous allons avoir la vidéo de référence dans la caméra. Nous enlevons l'extérieur du boîtier de sécurité. Et la première chose que nous allons faire est de vérifier que la caméra fonctionne toujours. Donc, nous prenons la caméra et nous l'ouvrons. Nous appuyons sur le bouton OK et ainsi nous pouvons voir qu'elle fonctionne toujours. Nous pouvons même regarder en arrière pour voir si elle a pris d'autres vidéos. Vous pouvez voir que ceci est en fait une vidéo, donc elle fonctionne bien. Nous l'avons maintenant réglé sur une durée de vidéo de 2 minutes. C'est le maximum pour ce modèle. Nous remettons cela en place et nous allons placer la caméra dans sa petite boîte. Le technicien au fond va commencer par la vidéo de 15 mètres, puis celle de 12, de 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, montrant où se trouve chaque distance devant la caméra. Maintenant, nous sommes prêts à faire la vidéo de référence. Nous commençons par la distance la plus éloignée. Dans ce cas, c'est 15 mètres. La personne qui a des cartes montrera d'abord la carte de 15 mètres et elle suivra la ligne des 15 mètres. Ensuite, elle s'approchera un peu pour faire les 12 mètres. Vous voyez le point rouge sur le diagramme ici, puis les 10 mètres, les 9, etc. Parfois dans la forêt où le sous-bois est assez dense, le mouvement de la personne à distance ne déclenche pas la caméra. La responsabilité de la personne qui se trouve à côté de l'arbre est donc de déclencher la caméra par un mouvement de son corps. En même temps, elle annoncera la distance, car la caméra, une fois déclenchée, enregistre non seulement l'entrée visuelle, mais aussi l'entrée audio. Je déclenche donc la caméra. J'annonce 15 mètres. Et je dis au technicien qui attend à 15 mètres de commencer à indiquer la distance avec les cartes numérotées. Je vais déclencher la caméra en passant devant le détecteur du mouvement. Six mètres. Thank you.
Maintenant que nous avons terminé notre vidéo de référence, nous vérifions dans la caméra que toutes les vidéos ont été prises. Elle est toujours allumée. Nous cliquons sur OK. Nous pouvons voir ce qui se trouve devant la caméra. Et nous pouvons aller en avant et en arrière pour voir quelles ont été les dernières vidéos prises. Et toutes les vidéos de référence sont là. C'est bien. Nous pouvons éteindre la caméra. La ranger soigneusement dans son étui de voyage. Emballer tout le matériel et aller à notre prochaine caméra pour refaire la même chose.